وي سيدي دي 20 كيو 5 كان ويا وند يزيد عبيد وين يهضرن سيسم ناونيس الحاين اموسون يانكا يونيون بور لا ريبوبليك لا كابيلي نفكت انا كيثينس غافي ياسمين اخضرا سيكل تدعني ذا مغناس تيمونن تدني شاويا تولم تدا شحال تيكال يالا ازقو حوحا ادي مسلين ادي مسلين فلاسه في ياسمين اخضرا اشكو يسنيث سينير اي يلا الزول فلاك زولك ما زول لزول هي قلنا سلينا يلا تليض تعدد دي كان دي تي كيو 5 ذا شحال انتكال نس انتك دي وين هناك مشاري وشوك دي نشد سكين غاف ومارو غياس من اخضر اشكو تشيني تخمض يدس سباغي سبوسن انو غنفاز اني من قاس فرانسيس ليكول دي كادي او يفوا انا ضحكو ذاك كيكين فلاس ساعات قبل ضحكو فلاس عطفك ذاك كيكين أم كيت سنوف يلا وذا غند شوت ولا دي لا بوليميكا كين اي دي الحان في الناس وسنا كين في اسم الخضراء مي جرزا وهران الجزائر اكل تيزي وزو Oui. Alors, bonjour à tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde grâce à TQ5 et un azul particulier à mes frères Chaoui et à tous les Amazirs, bien sûr. Et moi, j'ai connu Yasmine Nahdra, Moulchoul Mohamed, à l'école des cadets. On était cadets ensemble. On est ce qu'on appelle dans la communauté des ex-cadets, des frères cadets. Je l'ai connu à l'école des cadets, donc lui venant de Tlemcen à Pléa et moi venant de Guelma à Pléa. On était même dans la même classe. Voilà, pour Yasmine Akhbar. Comment j'ai pu le connaître? Donc on a passé tout le collège et le lycée, si on peut dire, ensemble à l'école des cadets à Pléa. On a tout vécu ensemble, je connais très très bien, c'est un frère cadet. Voilà. Concernant la polémique, que ça soit quand je vois que c'est des Kabyles ou des Chaouis, ceux-là, ils ne critiquent pas tellement. En fait, c'est les Algériens d'origine Kabyle. Et les Chaouis et les Algériens d'origine Chaoui qui critiquent Yasmine Akhdra, ils lui reprochent de ne pas dire ou pas dire des choses qu'ils supposent être pas normales venant de sa part. Ou faisant partie de sa personnalité, comme la leur. Voilà, exact. En fait, Yasmine Akhdra, il faut se mettre à l'évidence, les gars. C'est mon opposé. Yasmine Akhdra est un Algérien. Il est Algérien dans le sang. D'ailleurs, les Kabyles, on les appelle ainsi. Ils sont vaccinés avec le nationalisme algérien. Yasmine Akhdra est un Algérien. Donc, il réagit en tant qu'Algérien à tout ce qui se passe en Algérie et ailleurs, d'ailleurs. Quant à la dernière polémique à Tizi Ouzou, moi, je trouve que, franchement, honnêtement, je ne vois pas comment Yasmine Akhdra pourrait parler des prisonniers politiques kabyles, par exemple. En quel honneur il va parler de ça? Et d'ailleurs, dans la réunion, je suppose, je n'ai pas tout entendu, j'ai vu quelques passages, mais personne ne l'a interrogé sur ça. Je ne défends pas Yasmine Akhdra. Je défends l'éthique normale que les Algériens essayent de nous embrouiller, en fait. Ils nous embrouillent avec leurs propres problèmes. Alors que nous avons nos prisonniers. Ce n'est pas des prisonniers algériens, c'est des prisonniers Kabyle, Chaoui, et je rappelle, j'ouvre une parenthèse, récemment, il y a un Chaoui hirakiste qui a été condamné à 10 ans de prison. Je ne vois pas comment Yasmine Akhdra va en parler. En quel honneur il va en parler? C'est un Algérien. Donc Yasmine Akhdra se conduit, et c'est normal, c'est un Algérien, il se conduit en tant qu'Algérien. Donc, les prisonniers politiques, la Kabylie, les Chaouis, ce qui se passe, ça ne les intéresse pas, les Algériens. Je rappelle une chose.
l'assassinat de Frappe, le Mozabite. Mais personne en Algérie, ça n'a effleuré personne, ça n'a scandalisé personne en Algérie. Qui sont ceux qui se sont soulevés pour manifester? Eh bien, soit c'est les indépendantistes kabyles, soit les indépendantistes chiites, dont je suis moi-même. J'ai participé à la grève, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour Frappe. Et en ce moment, il y a par exemple le plus ancien prisonnier politique, Mozabite Bebenja, qui est en prison. En quel honneur on peut éventuellement en parler? En quel honneur? Donc, je ne sais pas comment, un Algérien, ça ne l'intéresse pas, ces problèmes-là. Le drame des Algériens, c'est qu'ils veulent nous faire gober, qu'ils sont en démocratie et qu'ils vivent la démocratie, etc., etc. C'est ce qui est totalement faux. Ce qui les intéresse, la réalité des Algériens, c'est le ventre. C'est ce qu'ils vont manger, point barre. Et puis le match de foot, leur équipe nationale, c'est tout. Et leurs médailles, éventuellement. C'est tout ce qui les intéresse. Maintenant, le prix. Qu'est-ce que Bouaziz Haïchbib, le Kabyle, qu'est-ce qu'il peut évoquer pour les Algériens? Et donc, pour Yasmina Khadra, qu'est-ce qu'il peut évoquer? Bouaziz Haïchbib, c'est un indépendance kabyle, se trouve en prison. Qu'est-ce qu'il peut évoquer pour Yasmina Khadra? Rien, Agma. Rien. Il ne peut rien évoquer pour lui. Donc, la polémique de Yasmina Khadra est une polémique algéro-algérienne. C'est entre eux, en fait, ça se passe. Yasmina Khadra, il a le droit d'être ce qu'il veut. Comme moi, j'ai le droit d'être un indépendantiste chez lui. Lui, c'est un Algérien. Et donc, je ne vois pas en quoi ça peut, moi, m'étonner ou que je puisse m'offusquer que Yasmina Khadra n'a pas parlé des prisonniers politiques chez lui qui se trouvent en prison actuellement. Ça ne m'offusque pas. Ce qui m'offusque, c'est que toi, par exemple, Egma, Rachid, te connaissant, que tu n'en parles pas. Mais heureusement, toi, tu es au fait des choses. Tu en parles des prisonniers politiques tout le temps, mais parce que tu es concerné, parce que tu es kabyle. Mais Rachid, Yasmina Khadra, le Mohamed Moulsoul, l'ancien cadet, c'est un Algérien, ça ne l'intéresse pas. Voilà le truc. Merci, Yilla. Avant de revenir sur votre connaissance avec Yasmina, comment vous l'avez connue, ce serait bien, je reviens sur le point que vous avez abordé qui est très important. Vous avez dit qu'il n'a pas été interpellé à Tizi Ouzou, parmi les plus de 1000 personnes qui étaient là, n'a pas été interpellé sur la question des prisonniers politiques, par exemple. Ce qui est vrai et ce qui renforce d'un côté l'hypothèse ou la thèse de Yazid Abid qui a dit comme quoi ça a été contrôlé au moindre comment dirais-je, détail près, cette conférence où même les questions étaient orientées, hein, de sorte à éviter toutes les questions qui fâchent le système. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer ce qu'il a dit, Yazid? Moi, je peux absolument confirmé ce qu'il a dit Yazid, que je salue au passage. Mais en fait, qui écoute Yasmina? Mais qui lit Yasmina? C'est surtout des Algériens d'origine kabyle. La majorité de ses lecteurs, c'est des kabyles, parce qu'ils sont francophones. La majorité de ces trucs. Maintenant, dans la conférence, on lui organise une conférence à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou, sachant que toutes les manifestations concernant les livres ont été interdites en Kabylie. Et tout le monde le sait. Donc, éventuellement, bien sûr, que Yasmina Khadra, c'est un Algérien. Les organisateurs, c'est des Algériens. Et j'ai bien précisé, ceux qui sont dans la salle, c'est sûrement des Algériens d'origine kabyle. Ça ne peut pas être des kabyles. Moi, par exemple, si moi ou un kabyle indépendantiste aurait assisté à cette manifestation, il aurait au moins essayé de poser la question sur le problème qui nous concerne. Mais en fait, c'est clair, l'organisation, c'est une organisation militaire. Yasmina Khadra, c'est un ancien militaire. Aussi, oui, continue là. Oui. Et donc, Edma, dans les manifestations en Algérie, tout est contrôlé.
Tout est contrôlé. Ce qui n'est pas contrôlé, on l'interdit. Point bas. Tout ce que le gouvernement contrôle, c'est permis. Tout ce qu'il ne peut pas contrôler, il ferme. C'est la règle. N'oublions pas, je répète ce que j'ai dit dans l'émission précédente avec toi, le pouvoir algérien est un pouvoir militaire. C'est les militaires qui commandent. C'est les militaires qui commandent. Ils font tout ce qui est bon et le gouvernement, c'est des pantins. Ils sont à l'air, c'est eux. Vous croyez, enfin, je le dis aux Algériens, hein, je le dis par ton intermédiaire. Il ne faut pas rêver, les gars. Vous croyez réellement que Tepon a été élu par le pouvoir, par le peuple algérien? C'est faux. C'est les militaires qui l'ont désigné. Il est à leur merci. Quand ils n'en veulent plus, ils le dégagent. Les militaires, ils ont compris une chose. Avant, c'est eux. Ils se présentaient eux-mêmes. Boumediene est un ancien colonel. Il était colonel quand il était président. Varoual était un général. Après, ils ont compris. Ils se sont dit, voilà, on se retire nous-mêmes, on ne représente pas. On n'envoie pas un officier reconnu en tant que tel à la présidence. Ce qu'ils ont fait, ils utilisent les pantins. Khdhiri, qui est en prison lui aussi d'ailleurs. Il a essayé, c'est un général, il a essayé de se présenter. Ben, il se trouve en prison. Parce que, en fait, c'est l'armée qui décide de tout en Algérie. D'ailleurs, si je reviens à l'histoire de Chirac, le clan Gayd Salah a utilisé le Chirac pour dégommer le clan civil de Bouteflika. Une fois qu'il les a dégommés, ben, ils ont tout interdit après, même un drapeau. Amazir, si on vous retrouve avec, c'est direct à la prison. Donc, vous voyez, ce que je dis, ça veut dire que c'est l'armée qui décide de tout en Algérie. Pauvre Algérien. Autre question que tout le monde se pose aussi, comment ça se fait que Yasmine Khadra, sous prétexte de la promotion de son livre par son éditeur, elle a choisi sa ville, enfin sa région, qui est Oran, ce qui est normal, aussi Alger, la capitale, ce qui est normal. Tout le monde se pose la question, pourquoi la troisième, c'est Tizi Ouzou, qui est à côté d'Alger, et non pas Constantine, Annaba, Galma, une ville de l'Ouest symboliquement, ou encore, pourquoi pas Bchar, sa propre région, Ouais. ou pourquoi pas Mstran, etc. Ne serait-ce que pour un peu souffler un peu un air de modernité dans d'autres régions qui sont frappées par l'intégrisme et l'islamisme. Quelle réponse vous allez répondre à ceux qui Eh posent cette question? bien, Yasmina Khadra le sait très bien. Lui qui est arabophone, je rappelle, Yasmina Khadra était arabophone à l'école des cadets. Moi, j'étais bilingue. Lui, il était arabophone. Il était arabophone, il était dans la section arabophone et c'était un très bon élève. Je reviens donc après je reviendrai sur Yasmina Khadra, sur ses qualités d'élève, cadet, etc. En fait, n'importe quel individu en Algérie sait une chose. La francophonie, c'est en Kabylie. D'ailleurs, entre guillemets, quand on veut insulter un Kabyle, on lui dit francophone. En fait, lui, ses livres sont en français, ses lecteurs sont en kabylie. C'est du pur marketing. Donc, en fait, réveiller les Constantinois, je ne pense pas que les Constantinois, à très grande majorité arabophone, ont lu les livres de Yasmina Khadra. Très bien. Maintenant, on revient sur. Peut-être j'aimerais bien ne pas quitter ce sujet-là. Oui. Aussitôt après, il a été invité par l'ambassade de France à Alger, Yasmina Khadra. Donc, quelle lecture faites-vous de cette invitation? Yasmina Khadra, c'est un romancier. C'est un romancier. C'est un mec, c'est un écrivain. Et donc, c'est un romancier, un écrivain en Algérie. C'est la culture, elle n'existe plus en Algérie. Elle n'existe plus. Même les librairies n'existent plus. Dans toute l'Algérie, je crois, il y a une vingtaine de librairies. Un pays immense avec 40 millions d'habitants, il se retrouve avec peu de librairies. Donc, c'est des niches. Maintenant que Yasmina Khadra soit invitée par X ou Y,
Nous, on ne peut pas, en tant que, moi, en tant qu'indépendantiste, je ne stigmatise pas. Yasmine Khadra, elle est dans son rôle, c'est un Algérien, il est reçu par l'ambassade de France, il est dans son rôle, il est, je pense plutôt, si je reviens à son histoire, je pense qu'il a eu plus de problèmes avec l'État algérien qu'avec les Français, hein, réellement. Yasmine Khadra, je vous rappelle une chose. Et après, quand il est devenu officier, il a eu les pires affectations, soit des affectations les plus lointaines. Yassine Abid a bien confirmé qu'il était à Tamras, donc c'est les plus lointaines, ou bien à l'époque du terrorisme, Yassine Khadra, il a fait que les régions où il y a du terrorisme, donc plutôt à l'ouest. Donc voilà, reçu par l'ambassadeur de France, franchement, pourquoi pas pour un Algérien. Moi, le jour où on va me dire que, par exemple, Farhat Menni est reçu par un secrétaire ou un ministre français, là, oui. Mais Yasmine Khadra, il est dans son rôle, hein. C'est un écrivain, c'est un francophone, enfin, il écrit en français. Et ben, pour la France, c'est un symbole, c'est un flambeau, sachant que le français commence à être éradiqué en Algérie. Donc la France fait tout pour couver ou pour promouvoir les écrivains ou qui écrivent en français. Voilà la logique des choses. C'est comme... Revenons Oui. sur le profil de Yasmine Khadra maintenant que Oui. vous l'avez connu. Vous avez dit qu'il a fait l'école arabe, c'est-à-dire l'époque à votre époque, Arabophone, arabophone, arabophone. arabophone. C'est un littéraire. Oui, à votre époque, à mon époque, il y a deux classes d'élèves. Il y a ce qu'on appelle les bilingues, ceux qui font leurs études, Oui. enfin, leur matière en français. Il y a ce qu'on appelle les arabisants, comme j'étais moi-même, et vous dites aussi Yasmine Khadraliti, qui faisait toutes ces matières en Lettres. langue arabe, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Donc, d'où est-ce que lui vient ce talent, malgré que le... Alors, franchement, Yasmine Khadra, il était brillant, hein. À l'école des cadets, je vous dis tout de suite une chose. C'est une école d'excellence. Il n'y a pas de piston, il n'y a pas de benhamiste, tu ne peux pas tricher. C'est simple. C'est les meilleurs qui réussissent. C'est simple. C'est la seule institution d'éducation en Algérie qui est normale, entre guillemets. C'est-à-dire, tu ne peux pas tricher. C'est vraiment. Et donc, Yasmine Khadra était brillant. Il était brillant. Oui. C'est-à-dire, c'est la seule Il... institution, l'école des cadets, qui fonctionne Ouais. selon les critères de compétence, c'est ça? Exactement. Il n'y a aucun. Tu peux pas. Nous, je peux donner un exemple. On était avec des fils de colonels les plus gradés à l'époque. Ben, ils n'ont pas réussi, hein. Et leurs pères n'ont rien pu faire. C'est pour vous dire. En fait, cette école, c'est franchement, j'y suis passé pendant. Je pense même que je suis le plus ancien cadet vivant, peut-être, hein. Mais je dis que c'est une école d'excellence. On ne peut pas tricher et on réussit, si on a réussi, c'est parce qu'on l'a mérité. Donc, Yasmine Khadra est un méritant. Il est vraiment, je le dis honnêtement, il était brillant. Donc, parce que il a fait lettres, moi j'ai fait sciences, et donc, mais je le connaissais. Et du coup, il a, par exemple, à l'époque déjà, il s'occupait du journal de l'école. Lui, Yasmine Akhdara. Donc, c'est pour vous dire à tel point que il est brillant. C'est pas un pistonné, c'est faux. C'est un vrai brillant. C'est un mec qui a eu son bac. Et nous, en fait, les cadets, on nous appelait à l'époque les 100%. Mais on passait nos examens dans les lycées civils. Par exemple, à Blida, surtout, ou à Boufarik, à côté de Coléa. Donc, on passe parmi les civils, c'est nos résultats, et on est tout, l'école des cadets, c'est du 100%. Je vous le dis honnêtement, on nous appelle les 100%. Quand on passe le bac, c'est 100% de réussite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la méthode éducative qui est, certes, elle est militaire, mais ils ont mis les moyens. Boumediene, son rêve, c'est de
D'ailleurs, il venait presque une fois tous les 15 jours pour nous rendre visite à l'école des cadets. Mais presque une fois tous les 15 jours. D'ailleurs, Yasmine Akhdar le dit bien dans son livre. Le seul livre que j'ai lu, c'était L'écrivain, parce qu'il racontait réellement la vie des cadets. Et je lui ai écrit une lettre ouverte en lui reprochant deux choses. Deux choses. En lisant L'écrivain. À l'école des cadets, on a fait une grève, une très grosse grève. Il l'a pas cité. Donc ça m'a étonné. Et il y a une deuxième chose qui aurait pu m'arriver, c'est l'arrestation des cadets qui sont partis de Pléa à Cherchell. Ils étaient arrêtés à Cherchell. Ils ont pris 20 ans pour. Donc c'est à ma promotion. J'aurais pu y être avec eux. C'était des gauchistes, donc des marxistes, etc., qui ont pris 20 ans. Et dont un de mes meilleurs amis, Mouhtar, que je salue au passage, qui a pris 20 ans de prison. Et donc, c'est pour vous dire que cette école, elle formait réellement sur le plan éducatif des bons. Maintenant, quand ils deviennent des militaires, sachez, messieurs, dames, que c'est des Algériens. À tel point que dans une page de cadet, donc entre les cadets, ils savent qui je suis, tous les cadets savent qui j'y suis, hein, il n'y a pas de souci, donc on s'échange, etc., etc. Et j'ai à l'époque de Bouteflika, il disait, donc il y a des cadets qui se posaient des questions, et je leur ai dit, ben, puisque vous êtes au pouvoir, pourquoi vous ne faites pas un coup d'État? La réponse d'un général actuel, il m'a dit, mais. Ah, tu le sais très bien. Ils nous ont vacciné le nationalisme. Ce qui arrive à Yasmine Khadra. Donc, l'école des cadets, attention, moi j'en suis sorti. Peut-être je suis. Il y avait deux. Il y avait deux qui ont totalement sorti de ce qu'ils voulaient faire de nous. Il y avait un du GIA qui est devenu chef du GIA. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu le façonner tel qu'ils voulaient, Sim Khelaoufi, qui est devenu un des plus grands terroristes algériens, et moi qui suis devenu indépendantiste. Les seuls qu'on est sortis du moule préfabriqué pour en faire des futurs généraux, des futurs responsables de la hiérarchie militaire. Il se trouve que j'ai regardé dernièrement les nouveaux généraux-majors. Moi, j'en connais une flopée de généraux-majors qui étaient dans ma classe. Et encore mieux que ça, j'aurais pu, pour Yasmine Akhdra, j'aurais pu être son supérieur. Pourquoi? La différence entre Yasmine Akhdra et moi, c'est qu'on était cadets tous les deux. Mais lui, il était fils d'un officier. Moi, j'étais fils d'un ce qu'on appelle un chahid. Et à l'époque, les officiers qui commandaient réellement l'Algérie, c'était des officiers de l'ANM. Et je l'avoue, je le dis, je l'ai déjà dit publiquement, certains m'ont protégé, et je peux les citer. Yahyaoui, colonel Yahyaoui, colonel Belhouchet, Mouawria, ils m'ont protégé parce que c'est le nom, mon nom. Ils savaient qui était mon père. Voilà, donc, Moulsoul, Houha, désolé, Mohamed, mais Moulsoul, ça fait deux. Il y en a un qui est connu par les officiers de l'ANL, et Moulsoul, c'est un fils d'un officier. Et à l'époque, je ne pense pas que son père était, je pense qu'il était lieutenant ou sous-lieutenant. Mais pour résumer, pour revenir à la fin, sur son époque cadet, c'est un brillant, un élève brillant. Point à la ligne. Il n'a ni été pistonné, ni favorisé, ni rien du tout. C'est simple, il n'y a pas ce truc-là. Ça n'existe pas dans cette école. Reste la deuxième chose, c'est après, quand il est devenu officier, on peut tout reprocher à un militaire. Maintenant, c'est un romancier. Est-ce qu'on juge le romancier ou on juge l'ex-militaire? C'est ça. Moi, ce qui me gêne dans la polémique, Edma, c'est le fait que des Algériens, des Kabyles d'origine, des Algériens d'origine kabyle s'érigent en censeurs et veulent donner des leçons à Yasmine Khadra.
Mais Yasmine Radar, il est commun. C'est à leur image. Et eux, est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour Fkhar ou pour Bouaziz, etc., etc. Moi, je n'ai pas vu des Algériens d'origine kabyle manifester pour Bouaziz ou pour Fkhar. J'en ai pas vu, hein, ou j'en ai vu très peu. Donc, Yasmine Khadra, c'est un Algérien. Ce que j'ai dit dès le début, il se comporte en tant qu'Algérien. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Yasmine Khadra, c'est un arabophone. Il parle l'arabe, donc c'est un arabe. Et sauf qu'après, il l'a su, en fait. Il a su qu'il n'est pas arabe du tout. Voilà, il le sait. Il l'a su qu'il n'est pas arabe. D'ailleurs, sa région où il est, elle se rattache plus à Fidjid, qui se trouve au Maroc. C'est des Zénètes qui parlent chaoui, comme les chaouis, mais c'est je vais les offenser un peu, les froisser, mais c'est du chaoui, en fait. Fidjid, c'est une Boumsmrone en Algérie. Fidjid, c'est la même chose. Donc, sa ville aussi, c'est là. Donc, c'est des Berbères qui sont arabisés. Sauf qu'au Maroc, ils ont gardé la langue. C'est aussi simple que ça. C'est entre deux frontières. C'est comme moi. Ma tribu, les Nmencha, qui sont en Algérie, on a gardé la langue. Moi, Nechtoutlayachaoui, les de ma famille, ma tribu qui sont en Tunisie, ils ont perdu la langue. C'est aussi simple que ça. Voilà. Effectivement, Bousmeron, j'ai invité un poète récemment. Il parlait 100%, pratiquement 100% la langue mbazir. Et on a parlé, notre invité, comme quoi Al-Bayyad, Béchar et tout ça, il y Oui, a oui. beaucoup d'amazirs qui continuent Oui, de bien parler. sûr, mais qu'ils ont perdu la langue, c'est tout, hein. Mais c'est des nôtres, hein. Il n'y a pas de souci. Mais je sais, moi, je suis certain. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais dire une chose. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que ça concerne une vie très privée qui peut mettre en difficulté ou X ou Y, mais néanmoins, sur des faits précis. Yasmine Akhdra, il s'est passé une chose à l'école des cadets dont je suis le responsable. Dont je suis le responsable. Il n'a pas dit un mot. Je C'est termine un donc. merguez. Ouais. Oui, Et là, si, si. ouais. Il aurait pu balancer l'affaire. Il n'a Ouais. rien dit. Il n'a rien dit. Donc, pour moi, c'est un merguez. Sur ce point-là, donc, c'est lequel? Est-ce qu'on juge Yasmine Khadra? Mais en quel honneur on le juge, d'ailleurs? Moi, honnêtement, c'est un Algérien comme les autres. Pour moi, ils sont tous pareils, les Algériens. Ils sont tous pareils, Yasmine Khadra, Etmeghillet ou le commun des mortels qui viennent nous gonfler avec ses chouhadas, avec la guerre d'Algérie. Ils sont tous pareils, pour moi, hein, en tant qu'indépendantiste. Maintenant, on aime ou on n'aime pas Yasmine Khadra, il est romancier ou pas, eh bien, ça, c'est subjectif, honnêtement. Donc, il confirme que Yasmine Khadra était un brillant, il avait Brillant, beaucoup ouais. d'éclaté, et probablement en plus de cette compétence de Yasmine Khadra, il a aussi le don littéraire, donc ce qui fait que Oui, ça fait de lui, absolument. voilà, ça fait Oui, de lui il l'auteur. écrivait, des poèmes à l'époque, je me rappelle, des poèmes en arabe, bien sûr. Mais en fait, il avait ce don de l'écrit, de tout petit, en fait. Maintenant que les gens, ils s'étonnent. Ils en ont fait une polémique. Ils en ont fait une polémique parce que c'est un ex-militaire. C'est aussi simple que ça. Et c'est la France qui a créé ce truc-là. Moi, on ne m'a jamais reproché, les Français, en tous les cas, ils m'ont jamais reproché en tant qu'ancien cadet. Sauf que moi, je n'ai pas été militaire. Moi, on me reproche, en fait, peut-être, c'est qui me reproche? C'est nos camarades kabyles, certains qui me reprochent que je suis du DRS. Parce que j'ai juste fait l'école des cadets, me voilà DRS. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je termine avec une question qui est un peu pertinente, et c'est ce qu'on lit un peu partout aussi dans les réseaux sociaux. Puisque le système veut utiliser l'ancienne carrière militaire de Yasmine Khadra pour booster un peu son image à travers sa production littéraire et son talent littéraire, et pourquoi Yasmine ne saisit pas cette occasion, laissons de côté l'aspect politique, pourquoi il ne parle pas des prisonniers, la Kabylie qui a brûlé l'été passé, ça, vous avez assez couvert. Mais la question que je me pose,
Pourquoi? Puisque Yasmina Khadra s'inscrit dans la modernité via sa littérature en langue française, qui est d'ailleurs menacée en Algérie par ce système-là, qui veut la remplacer par l'anglais apparemment dans tous les paliers de l'école algérienne. Et pourquoi il n'essaie pas d'utiliser son image pour essayer de pousser le système militaro-politique algérien vers la modernité au lieu qu'il soit l'otage d'un courant arabo-islamiste qui pratiquement gère toutes les institutions algériennes, y compris au sein de l'armée. C'est quoi votre réponse par rapport à cette question-là? Il l'a. Moi, à mon avis, Yasmine Khadra, il sait ce qui se passe réellement en Algérie. C'est un ancien militaire. Je rappelle une chose que Yasmine Khadra voulait se présenter aux élections algériennes. Rappelez-vous, il a essayé d'obtenir même un nombre de signatures. Mais en fait, moi, je suis certain, ils l'ont convoqué, ils lui ont dit, ben mec, tu arrêtes. C'est comme ça que ça marche en Algérie. Et je pense pas que Yasmine Khadra, il connaît un peu comment ça se passe, le CERA, les trucs comme ça, c'est un militaire, il sait comment ça se passe réellement en Algérie. C'est pas le mec lambda, l'Algérien lambda, qui arrive et qui découvre, il dit ouais, on va le modernisme et tout ça. Il sait que tout est sous les pieds des militaires. Il le sait très bien. Il a été dedans. Il sait comment ça marche. Donc, si il y va pas loin, je suppose. Je pense pas à sa place, mais je pense qu'il connaît les règles du jeu. Il reste dans sa position. L'armée algérienne fixe les règles du jeu pour tout homme politique ou écrivain algérien, n'importe lequel. Tu sors sur la ligne, tu es hors jeu. Et il le sait. Tout le monde le sait. Mais je pense, honnêtement, le connaissant, je pense qu'ils s'en foutent un peu de se retrouver étendard de modernisme. Je pense qu'ils s'en foutent un peu parce qu'il est parti trop tôt, lui aussi. Il a vécu au Mexique, il vit en France. Et entre parenthèses, je ne l'ai jamais rencontré en France. Voilà. Pourtant, il était juste à côté, à Paris. Je ne l'ai jamais rencontré pour des raisons personnelles. Mais il sait que j'existe, il sait. Je peux dire une chose une deuxième fois que c'est un vrai Ergues. Quelqu'un a eu des problèmes, le fils d'un mec qui a été assassiné en Algérie, un grand intellectuel, l'un des rares intellectuels, parce qu'il n'y a plus d'intellectuels en Algérie, il a eu un problème. Son fils a eu un problème. Et le seul qui pouvait lui régler son problème, c'est Yasmine Akhtar. Ben, j'étais pour le voir pour ce monsieur. Je ne l'ai pas trouvé. Je lui laissais juste un mot. Juste un mot. En lui disant, voilà, moi, ton ami cadet, ton frère cadet, j'ai besoin de ça. Donc, je n'ai pas demandé du piston ou une faveur. C'est juste de remettre la chose à sa place. Ben, il l'a fait. Hein. Il l'a fait. Il l'a fait. C'est pour te dire, donc, Edmond, sur une question d'honneur, c'est un homme d'honneur. Ça, je porte garant. J'ai vécu avec lui au moins 7 ans, donc de la sixième jusqu'en terminale. Donc, je sais, on est plus jeune, on connaît la valeur des gens quand on est jeune et quand on vit tout le temps ensemble. On a vécu tout le temps ensemble. Donc, c'est simple, hein. C'est tout. On ne se voit pas quand on part en vacances. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un homme d'honneur. Maintenant que soit le gouvernement, il peut pas, il sait, il est du sérail, il sait, il est libre. Moi, je pense qu'il a appris beaucoup de choses en allant en Occident. Et il aurait pu écrire en arabe. C'est un arabophone. Je suis même certain qu'il aurait des succès énormes dans le monde arabe. Je suis certain, en écrivant en arabe. Mais peut-être qu'il a écrit, il a voulu plutôt. Je pense c'est, je sais qu'ils lui ont fait des misères les militaires, hein, parce qu'il écrivait déjà en cachette. Et quand ils ont su que c'était lui, ils ont commencé par lui mettre. Ils lui ont fait des misères à Yasmine Khadra. Maintenant, je pense qu'il s'est un peu détaché de ce système. Il sait que c'est un système immuable, c'est un système rigide, c'est un système militaire. Il peut rien faire. Une hirondelle n'annonce pas le printemps. Il faudrait être nombreux, il faut être des millions pour que l'Algérie puisse se moderniser. J'ai bien dit des millions. Un Yasmine Khadra ou
sans Yasmine Khadra, ne pourront rien faire face à une armée à la soviétique. Regardez bien, l'armée algérienne, c'est une armée soviétique, à la manière soviétique. Ce qui se passe en Ukraine, si l'Algérie fait quelque chose, elle aurait fait exactement la même chose. Donc la même tactique, les mêmes moyens, et ils tirent sur tout le monde, ils s'en foutent. C'est ça l'armée algérienne. Yasmine Khadra le sait. Et donc, je pense que il faut pas le juger sur ça. Faut le juger sur ses qualités d'homme. Moi, sur ses qualités d'homme. C'est un homme, un ergues de Ouzguine, comme on dit chez nous, les Chaouis. D'ergues de Ouzguine. Le reste, chacun peut avoir une façon, une lecture sur Yasmine Khadra qui est devenue un éventail de la littérature algérienne, ce qu'on appelle la littérature algérienne. Ça, c'est une chose. Yasmine Khadra, c'est un romancier, c'est pas un intellectuel. Point barre. Voilà, Emma. فوالا دونك تلام مك يلا زغوار حوها ويني كتنا في ثيمون انت نيشاوي لكن يلا يزيد عبيد ويني كتنا في ثيمون انت تموت القبايل سيني نيا نيكسن ياسمين نسلقا مثلا سلام سندي دي سين اكيد نسال ثقرا ميرسي تنميرث يلا اموانك سي و لي اجوتي كيك شوز جي با بريسيزي أديني غوالي شويت هسا نشني غرنا المحباس بشوين هنقي الحباسات نسين لا نشوين ونسينا نيلان ونسينا نيلان يا دي شوي كي سون بريزون سي ميم با كيس كي لار اريف وو يل سون اي دونك اون في ابل ا كي ياسمين خضرا او شوي واش في ابل او شوي بلوتو تنمير تاكما تغني شويا وكني اذل هون نغاد مخلن غام اي محبس انسن اجلان ذي الجزائر اكن دارن تغني اي قبيليا وكني اتخمي من كيكي غام غير محبس اجلان اقبالين اجلان ذي الحفص ولا ثم ثار اتزاريا يليون افي كثير ينس اكيد نسثقها انت ذي ولد اكيد اسم لن نغاد تناقي اكيد لن نكذي لا ازقوا حوها وسيان مليلها في يدس سنتال نظام ذوي هذا ومديني قيمة ذي ثلويث جيت الويت